Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte aujourd'hui sur Wizard of Legends. C'est mon pote Elgidor qui m'a envoyé le trailer sur mon Skype. J'ai plutôt accroché parce qu'il y a de la foudre, hein, on peut se le dire, mais en tout cas l'univers a l'air très sympathique. Je vous propose une découverte, il est sorti il y a 2 jours sur Switch et sur Steam pour une 15aine d'euros. Donc on va se lancer en single player, même si vous pouvez jouer en two player. Je vais y aller donc en mode clavier-souris pour commencer. Peut-être que ça sera mieux à la manette, je ne sais pas, puisque c'est une totale découverte. Alors oui, c'est en pixel art et vous savez que je n'aime pas spécialement le pixel art. Ça veut dire que si j'y joue, c'est pour que pour moi, il y a un intérêt en termes de gameplay. Actuellement, le jeu est en anglais. Quand vous allez dans les options, il y a Language English. Donc peut-être que dans le futur, ils ont prévu d'autres langues. Généralement, c'est ce qu'ils font après une release du jeu. Ils essayent d'adapter sur d'autres langages. Pour tout ce qui est roguelike, parce qu'il s'agit d'un roguelike, c'est assez commun et courant. Ok, donc on va monter. On va essayer d'avoir un petit peu de pouvoir, etc. Yay! Bonjour à toi. Non, je peux pas te dire bonjour. Welcome to the museum. Merci, bienvenue. Burst Dash Arcana for your convenience. Ok. Ouh, pas mal. Déjà là, on a du move. Excellent. On display, il y a quelques... donc, cartes d'arcane que les magiciens utilisent dans les essais. Alors, ces arcanas sont créés par des virtuoses qui... blablabla. On s'en fout. On sera capable d'invoquer via les cartes les sorts. Ce qui va être assez intéressant. Donc, je vois de la glace, je vois du feu, je vois de l'air, je vois de la terre et je vois de la foudre. Ok. Donc là, il n'y a rien pour sélectionner. J'ai cru qu'on allait pouvoir sélectionner, mais apparemment, c'est pas le cas. C'était stylé, ça. Eh. Ok. Pendant que ces répliques n'auront pas des effets réels, on peut les utiliser dans le musée sous entraînement. Ok. Wine Slash et Dragon Arc. Parfait. Wine Slash est un corps à corps. Oh, c'est trop stylé ça. Il y a un genre de temps de rechargement que vous pouvez voir en bas à gauche là. Donc là j'en ai 8. Tête de dragon comme ça. On a le dash sur l'espace qui n'a pas de CD et le clic gauche n'a pas l'air d'avoir de CD également. Donc ça fait plutôt plaisir. On voit qu'on pourra avoir une compétence en A, E et R aussi plus tard. Je sais pas si on sélectionne tout au début ou comment ça se passe. Genre c'est stylé ça. Signature Arcana. Quand elles sont complètement chargées, ces arcanes sont une version améliorée, très bien. Signature Arcana. Exploding Fireball. Très bien. Exploding by Fireball. Oh, oh fuck, c'était par rapport à mon... D'accord, c'est cet orbe là qui nous donne un effet magique et là... Bam, bam. Ok, ça calme, c'est excellent. Donc là on a des héros, sûrement le truc de la légende. Très bien. Donc c'est... Sorciers étaient les maîtres de leurs éléments choisis. Ok. Donc on a le feu, on a la terre, on a la glace. Je serai le maître de la foudre. Tant. Ok, donc là pour l'instant, bon bah, c'est le début. On veut un petit peu de nouveaux sorts. Ah voilà, des armes, etc. Donc les Chaos Arcana sont des arcanes spécialisées craftées directement à partir des énergies du chaos qui requièrent beaucoup de skill et de finesse pour s'activer. Seuls les mages qui ont complété le Chaos Trial. Ok. Donc ça sera des cartes sur d'autres qui vont changer notre façon de jouer et rejouer un roguelike, bien évidemment. Welcome to the Chaos Trial Interactive Course.
Ok, good luck. I know you can do it. Alors... Oh, nice. Freezing Sprite Mana. Ok, là on est bon. Très bien. Ok, premier combo. Et on a ma mana. Ok, là ça commence à être sérieux. Et on a le Frost Fan sur le E. Et donc vous avez vu, cette petite luciole qui me suit et permet de congeler les ennemis. Merde. Ok, ça commence à être bon là. Voilà, on y est les gars, c'est du roguelike qui a pas l'air facile au premier abord parce que lui est merde pour un trial, je veux dire, même s'il y a des enfants qui jouent à ça. Ok, on a réussi à les pousser. Voilà, là on s'active, là ça devient intéressant. Oh crap, ça me fait mal. Ouh. Putain, mon esquive est pas encore au point. Ok, c'est bon, on y est. Victory! Et on a une petite régène. Alors, les sorciers qui sont entrés dans le Chaos Trial. Gna 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 gna. D'accord, donc ils sont censés pouvoir rentrer. Avec une relique qui veut. Some relique. Gna 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 gna, Chaos Trial. Powerful attribute, ok. Ça c'est les vêtements, c'est ce qui va faire notre skin. Et ça c'est les grimoires. Ok, donc ça c'est ta façon de jouer avec des builds différents. On s'en fout un petit peu. Ah! Yeah! Excusez-moi, est-ce que vous allez bien? Attends, il y a une armoire qui parle et tout, quoi. Ok, je suis content de voir que vous allez bien. Bienvenue à votre nouvelle maison. One time Spain stipend. 100 KO gems. Ok, introduction. Acheter Looking Glass. Ok, donc c'est pour savoir son style. Ici, c'est le catalogue des arcanes. Basic Dash, Standard, Signature. Ok, très bien. All Arcana. One Slash Basic. Très bien. Donc on va pouvoir modifier à peu près tout en termes de sort. Ce qui va être intéressant. Ok, donc ça c'est mes tenues. Que je n'ai pas l'air de pouvoir... Ah si, ok. On va se mettre en bleu. Ouais, c'est parce qu'on a que deux persos au début. Il y a un rouge, un bleu, normal. On va se mettre en rouge, couleur du sang. Ah, j'ai failli. Valider avec espace. Et donc ça, ça va être les reliques. Offense, defense, 48. Et... Ok. On en a une là. Increase damage et movement speed. Quand tu es avec un véritable ami. Ouais. Bon, je suis tout seul, mais c'est pas grave. Ok, moi je veux du combat. On va sortir. Très bien. Ouh, ça commence déjà avec du style. Ah merde, j'ai acheté. Je sais pas ce que ça vaut. C'est pas ce que c'est. Ah, du coup, au début, t'es obligé un peu de tout acheter. Ah, il est là. Ok, donc c'est un truc de défense que j'ai eu. Régénère de la vie chaque fois que vous faites un coup critique. Eh, c'est pas mal. On va les équiper.
Giant Heart, pas mal. Ça, je sens que ça va être bon. Ogre of Poverty. On a des nouvelles cartes ici. Star Wars Defender, Seismic Entry, Obsidian Cascade. C'est un sort ultime de signature, mais je pense qu'on va prendre des petits sorts de base. Flame Strike, Seismic Entry. Ouais, Flame Strike. Ok. Ice Seeker, ça me paraît bien. Aqua Arc, pas terrible. Je vais acheter les cartes de base. Max Fear. Wine Fury, ça j'adore. Dragon Dive. Oh, je prends un peu de tout, on va tester. De toute façon, voilà. Ok, c'est pas grave. Du coup, en basique, on a le basique Arcane Flame Strike. Non. Burst of Ice en impact. Ok, donc le Final Slash, donc le dernier coup de lame de vent, ça crée un projectile perçant qui annule quand on vous envoie des projectiles, donc ça a un intérêt aussi. Donc ça s'exécute plus rapidement et ça touche une zone plus large. On va équiper celui-là. En termes de dash, on n'en a pas de nouveau. Très bien. En termes de standard, là ça va être cool. Two Dragon, ça j'adore. Projectile qui perce. Alors ça, ça permet de faire un quatuor de chevaliers d'échecs qui vont sauter en défense. C'est pas mal. Donc ça, c'est un dragon du sol qui sort et qui repousse les ennemis. Ça permet de récupérer tous les projectiles autour et les mettre dans un orbite autour de nous. C'est pas mal. Ah, je sais pas quoi prendre. On va essayer d'ailleurs celle-là. La signature, genre, j'ai celle-là. Rebound Icicle. Ok. Alors par contre, est-ce que... Non, j'ai que 4 sorts. C'est intéressant comme build. On va aller du coup équiper l'item. On a un bonus de move speed dès qu'on commence à bouger rapidement. Increase max health. Ok, je suis à 550. Halt! Ok, merci, on peut y aller. Il y a dû y avoir plein de trucs. Bon, j'ai envie de vous proposer un petit peu d'action parce que c'est ça qui va être intéressant en soi. Ok, donc on a un premier donjon. Alors j'espère que c'est pas tout le jeu. Ça va être bizarre. Ok, donc là on est vraiment dans le roguelike avec la découverte. Ok, nice. Ah, oh, ils font mal quand même. Waouh, il pique lui. Ok, ça me le rapproche, ça me le ramène. Oh, c'est stylé, ça. Aïe. Merci. Ah ! Putain, le con. Alors, on a de la thune, donc on peut farmer là des pièces d'or dans le donjon. Ouais, j'ai rien pour acheter. Oh la vache, il est dur.
Eh, il déconne pas le jeu, hein, sérieusement. On te met une race tout de suite, hein. Je faut que je me repère à la minimap. Ah, la blague. C'était sorti, ça? Ok, c'est le boss. Wouah, c'est ouf. Ok, nice. Ok, je vois. Pas beaucoup de choix, hein. Oh là 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 là. Je suis la merde. Wouhou, 26 points de vie et le boss, c'était le premier. Comment il m'a défoncé. Incroyable. Lagging sprite, je sais pas quoi. Merde, c'était dur. Je m'attendais pas à cette difficulté, hein, pour le coup. Bah, franchement, je vais inviter un pote demain soir. On va clairement s'en faire. Ouais, je vais pas tarder à crever, d'ailleurs. Hein. Ah ouais, non, mais là, je suis à fond dedans. Que j'ai reçu les packs. Ah, une fois que tu les as packs, c'est bon. Hein. L'auto-attaque, elle est là pour ça. Ok, c'est packé. Nice. Oh crap. Putain, mais ça déconne tellement pas là. Franchement, ça me surprend, hein, le jeu. Hein. Pour une découverte, je suis désolé, je m'attendais pas à un truc aussi compliqué. Ah bon. Putain, cet archer relou, il tire à timing décalé. Ok, j'ai de la thune. Dur. Bravo. Ok, je suis mort. Relieve your troops to the medium, not now. On va tester ça. Et on va tester un petit peu plus de contrôle sur l'auto-attaque. C'est clairement plus dur que je le pensais. Audra Spin Whale.
On va voir ça. Ajoute une chance de brûler les adversaires. Ok, très bien. Par contre, on voit où mon inventaire? Genre, je peux équiper toutes les reliques ou comment ça se fait? Apparemment, j'ai l'air de pouvoir équiper tout. Là, il me reste un sort sur E et R. Je ne sais pas comment on les met. Je verrai peut-être par la suite. Ok, on est reparti. Ok, il y a peut-être que ça, mais ça a l'air d'être compliqué. Donc il va falloir bien y aller petit à petit, ce qui risque de prendre pas mal de dizaines d'heures. Oh, c'est stylé cette auto-attaque. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore ce build. Je me protège des projectiles et j'ai une portée d'auto-attaque équivalente à ma portée où je protège. C'est excellent. Holy crap. Ok, je suis du bon élément apparemment, j'avais l'air de lui faire un maximum de dégâts. Oh, amélioration de la Max Fear, ça coûte 100 thunes. Vas-y, faut que j'aille farmer. On va clairement farmer les gars. Ok, on est bon. J'adore cette auto-attaque avec l'eau. Ok, c'est pas le bon. J'ai 59 de thunes, mais il m'en faut plus. Ok, nice. Haha. Il balance juste des couleurs. C'est méchant ça, ça ramène où? Ah, mais tout à l'heure j'ai pris trop de portails trop vite en fait. Not today. J'ai besoin des gold pour autre chose, mon ami. Ok, on est bon. Faut bien gérer sa portée parce que... Ok, nice. Ok, il me reste plus qu'à trouver le dernier portail. On peut casser pas mal de choses, ça c'est plutôt cool. Holy crap. Coffre qui va faire plaisir. Nice. Quel boulet. C'est pas grave. Ouais, ils s'en battent les steaks de mon ultime. Ok, je crois qu'on a trouvé le dernier portail. Mon ultime est pas très bon en fait avec celui-là.
ces lanciers me font chier. J'ai complètement oublié que j'avais mon sort de gravité comme ça. Oh merde! Non! Mon sort de gravité qui avait pris le projectile et qui faisait tourner la flèche et tout, c'est trop classe. Et donc ouais, forcément on retrouve ce mec là. Je vais augmenter ma max fear. Firewall, Heroic Leap. Non, on va essayer de prendre un autre truc. Healing Potion. Après, je peux plus rien acheter. Bon, ben, boss. Et c'est pas le même. Ça serait trop simple. Il a... Putain, je déteste les lanciers. C'est relou, hein. Vous avez vu la freine qu'il faut là, juste quand ça lance est rouge. Oh my god, ce jeu, il est trop ouf. What? Oh, je kiffe. Eh, c'est soirée stream là-dessus, direct. Les gars, c'était une vidéo découverte. Et là, je suis totalement à fond dedans. C'est... Du coup... On garde apparemment ce qu'on trouve au niveau des gemmes là, qui sont récupérables et achetables pour des items apparemment peut-être permanents. Quoique je suis pas sûr, ça a l'air d'être pour commencer le... Parce que regardez, j'ai perdu mes reliques en fait. Oh! Si ça, ça a l'air d'être permanent par contre. Totalement un mec de l'aqua. Ouais, je vais prendre ça. Donc ça, ça a l'air d'être permanent. Et le coffre, ça a pas l'air d'être permanent au niveau des items. D'ailleurs, le coffre a complètement disparu. Le problème, c'est que tant qu'il faut que tu saches à quoi ça sert... Oh, est-ce qu'on se fait un dernier run ou pas? Un dernier run. Hein. Rapide, rapide. On va essayer de prendre le truc de la foudre là qui rebondit sur tout le monde. Et du coup... Ok. Nouveau pattern. Donc déjà, il y a des boss différents. Ça c'est très bien pour moi. Une orbe rouge. Oh le... Putain l'enculé, j'avais pas vu. Pardon. Ah pardon, je suis mal poli. Ça pue, il doit y avoir un truc là. Hashtag blaireau. Ah mais on peut pas tomber. Attends, je tente. Ah mais on peut pas tomber. D'accord. Du coup, il suffit de faire ça. Ça haute. Ça les maintient occupés, hein, les archers, le truc qui rebondit, mine de rien. Le relic reward card, quoi, what the fuck. Je suis curieux de ce que c'est, le truc VIP, là. Le combo était beau! Ça rebondit loin sur les ennemis là. Eh, c'est bon ça, je le sens bien ce run là.
contre, je m'en vais, je sais pas où. Ah voilà, ça y est. Horrible. J'ai l'air d'avoir encore le talent du phénix, non? C'est quoi, c'est... Ok, elle propose de me soigner, je suppose, pour 100 gold. Would you like to donate an arcana to research? What? C'est passé quoi? Putain, j'ai perdu mon clic droit. Non. Receive a discount whenever you purchase potion from the merchant. Ouais, c'est pas mal, c'est fort. Mais est-ce que c'est permanent? Je ne sais pas. Ah mais je trouve tous les mecs là, mais... Il me faut des gold. Je trouve les portails associés. Il y en a un. Ok, nice. Oh, attends, c'est pas grave pour le portail, je vais le chercher maintenant. Ok, j'ai pris le Dragon Arc, ça doit m'en faire deux, mais c'est pas grave. La minimap, la minimap, peut-être par là, par là, par là. C'est hyper grand. Qu'est-ce que c'est que nuke? T'es fou quoi? Shell. Chance de les ralentir, très bien, c'est fort. Très bien, let's go, par là. Ok, nice, on a le truc au max. J'ai déjà perdu tellement de points de vie. Ah, c'est quoi ce boss encore? Non mais... Putain. Go go go. Non! J'ai vu qu'il attaquait, mais je reculais. Non! Ok, bah rendez-vous ce soir en stream pour ce jeu. Wizard of Legends. Quinzaine d'euros sur Twitch. Et moi, ça m'a tellement décrépité les cheveux. Tchuss! À la prochaine, portez-vous bien. Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé. À une prochaine!